Salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénomène Fla et aujourd'hui on se retrouve pour la finale de cette saison 6, très courte certes, de cette Ligue des Nations et surtout de cette saison de 0-1 héros, oh yeah. Alors les amis, aujourd'hui au programme, la finale contre la Mannschaft, et oui on le raffronte encore, c'est pas une finale originale puisqu'on est habitué dans ces concepts FIFA 20 de toujours affronter l'Allemagne. Maintenant on verra bien ce qui va se passer. Une chose est sûre, c'est qu'on veut gagner cette Nations League et qu'on va tout faire pour. Donc les amis, trêve de bavardage, on se retrouve direct dans l'enceinte du stade de Wembley pour ce match gigantesque. Le grand jour est arrivé, nous sommes là, Hervé Mathieu, Carrelès, pour vous servir sur un plateau, cette finale très prometteuse dont le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes. On va assister à une belle partie, Pierre. Oui, quel parcours pour ces deux équipes, Hervé. C'était pas écrit à l'avance qu'on retrouverait ces deux équipes aujourd'hui en finale, mais elles ont gagné en confiance au fil des matchs et voilà le résultat. Et maintenant, on a hâte que ça commence. Et ça y est les amis, nous y sommes donc pour cette grande finale dans le stade de Wembley pour cette magnifique coupe qui n'est certes pas la vraie ligue des, coupe de la Ligue des Nations, mais j'ai essayé de faire le plus fidèlement possible et nous allons affronter la Mannschaft, notre ennemi on va dire récurrent, et on peut voir que c'est la même équipe comme d'habitude qu'on va affronter avec André-Pierre Ter Stegen dans les cages, Gnabry, Werner, Brandt, Goretzka, Kroos, Kimmich, Reus. Reus qui joue en défense? Oh mais il y a un problème là. Marco Reus joue en défense ou c'est un autre Reus? Parce que là, comment expliquer là? J'ai pas rêvé, j'ai vu Reus sur le flanc gauche. C'est chelou. Alors justement les amis, pour ce match-ci, j'ai gardé la même composition que contre le Portugal parce qu'elle avait juste été monstrueuse et efficace. Donc Carrasco est récompensé et sur le banc, j'ai mis, on va dire le même que d'habitude, mais avec des joueurs un petit peu aussi différents. Il y a des nouveaux joueurs, il y a aussi ceux qu'on n'avait peut-être pas encore vus, et comme ça, tout le monde aura pu participer à cette belle fête dans le cas où on viendrait gagner. Sur ce trait de bavardage, on se souhaite bonne merde et c'est parti pour ce match contre la Mannschaft. Et on voit déjà qu'ils savent jouer vite. Ça sera peut-être pas à la même chose que par rapport aux dernières fois où on les a croisés. Ça sera peut-être pas la même chose. Allez. On va rester concentré les amis. Là par contre je sais pas ce qu'il a fait Kroos. Il a attendu à mon avis le dégel. Oh magnifique. Allez on y va, ça passe. Personne pour l'arrêter, attention. Allez Kevin Batois. Lukaku qui se retourne. Oh ça a failli partir en frappe. J'étais prêt à armer. Eh ben c'était chaud déjà pour l'Allemagne là. Une contre-attaque, ça y est, c'était déjà prêt et plié. Oh, Yann Faya, je suis plus vite, j'appuie dessus pourtant, j'appuie dessus, mais il a pris un temps infini pour lâcher. Attention à Gnabry, attention, il est rapide le coquin. Oh, purée. Eh ben voilà, l'Allemagne qui répond fort, corner. Et on peut dire que ça répond fort. Brandt a frappé de manière magistrale cette balle donnée par Gnabry. Et on a échoué. Heureusement que c'est Thibaut Courtois dans les buts, sinon je crois que c'est Gaillot à chaque fois. Allez, corner, concentré. On n'est pas encore, on n'a pas encore gagné, on n'est pas sorti d'affaire. Corner frappé par Joshua Kimmich. Dégagez-moi ça. Ok, ça, je suis là. Vas-y, Carrasco. Attends, j'attends. Vas-y, plonge. Vas-y, gamin, plonge. Très bien. Carrasco. Hop. Entre dans la zone dangereuse. Hazard. Oh, oh, ça ne joue pas à grand-chose. Eden a failli passer. Allez, on continue. Bonne pression. Bien, Carrasco. Vas-y, Okaku, tente ta chance.
pour la fin. Kevin, Lukaku qui... Lukaku qui suivait encore. Grosse occasion, ça commence à chauffer. Ah, par contre, il l'a sauvé. Lukaku est sorti. Ah, si. C'est vrai, ça. Allez. On a Kevin. Ouh, ça a failli passer pour moi. Allez, on tient le coup. Marc Reus. Ah, c'est le grand jour, hein. Ce jour de finale. Quel que soit, ah ouais, c'est bien Marco Reus. Donc Marco Reus est devenu un moment particulier dans la défenseur gauche. C'est étonnant. Un buteur pareil devenu défenseur gauche. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ou alors ils ont peut-être plein de joueurs blessés à la sélection allemande ici dans cette compétition et du coup, ben, ils n'ont pas le choix. Oh, bien. Allez, Eden. Presque au bout. Centre. Oh, ma reprise. Un peu croquée, mais elle aurait pu aussi passer. Elle aurait pu lober le gardien parce qu'il y a eu un petit rebond sur le sol. On est bien parti, je le sens bien les amis, je le sens très très bien. Une passe pour lui qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ah, joyeux anniversaire Carrasco. Et bien provoqué de la part de Yannifer à Carrasco. Et coup franc. Attention à ce coup franc bien placé. Je vais changer de tireur. Si s'il veut bien, change de tireur. Change de tireur. Je vais mettre moi-même, je vais essayer de la mettre, mais c'est pas évident parce que je suis pas très bon. C'est peut-être pas mal tiré, manque un peu de force et à ce moment-là j'aurais dû appuyer mais j'ai pas envie de tenter le time finishing parce qu'on a vu la dernière fois que j'ai loupé un penalty avec Courtois et parfois ça peut passer donc j'ai essayé. L'Allemagne qui peut continuer à avancer sur le côté. Waouh, waouh, attention. Hop. Oh là là, il y a du physique. Bien Witzel, ah dommage, un contre favorable, ah oh, attention, Gnabry, faut tacler, attention, oh ça c'est un goal, oh non, oh non, 1-0, sur une balle comme ça, est-ce que c'est un goal contre son camp, j'ai bien l'impression, oh la catastrophe, ou alors c'est Brand qui marque après avoir bien poussé et avoir joué du physique, et ben voilà, comme quoi les amis, ben voilà l'Allemagne mène. C'est la première fois qu'on est mené le gardien qui repousse par l'Allemagne fois, d'ailleurs. Mais pour pas non plus faire des miracles à répétition. Ouais, c'est Brandt qui marque. Brandt est allé au physique. Et ben voilà, bien joué Julian Brandt. T'es allé au physique contre Axel Witsel, fallait du culot. Et c'est son premier but en plus. Mais qu'est-ce qu'il est important. Allez, c'est pas encore fini. À Carrasco. Voilà. Allez, pas toi. Je m'attends. Oh, je me suis attendu pour essayer d'assurer le coup, mais j'aurais peut-être pas dû. Oula, par contre, tension là. Vas-y, Eden. Vas-y encore. Lukaku. Ah, oh, ça passe pas. Ah, l'Allemagne, là, ça y est, ils ont pris du galon. Ça y est, c'est parti. Ils sont confiants. Bien, Kevin. Allez, en retrait. On calme là. Calme à le jeu. On change d'aile, voilà. On vient vers Eden. On s'est retourné. Ah, ça se joue pas grand chose. Il y a moyen de revenir dans le match. Il y a moyen de revenir. Carrasco. Vas-y, Kevin. Lukaku, oui, un partout, oh, c'est mérité. Malgré deux arrêts incroyables d'André Pierre Ter Stegen, ça passe. Romelu Lukaku, oula, qui nous fait du breakdance. Un partout. Et ben après avoir pressé, qu'est-ce que c'est mérité. Oh, qu'est-ce que c'est mérité. Ça fait plaisir. Et ben voilà les amis, un partout. Un partout. Bien joué les gars. Bien pressé. Nous aussi, on s'est pressé et joué physique. On en a, faut pas s'inquieter. C'est quand même triste pour André-Pierre Ter Stegen qui avait pourtant fait les arrêts qu'il fallait, mais ça n'a pas suffi. Et Joachim Löw, bah, de nouveau, se demande comment c'est possible.
à croire qu'ils vont se dire qu'à un moment donné, ils sont maudits. Chaque fois qu'ils tombent contre nous, à chaque fois, c'est in the game. D'ailleurs, attention, parce qu'en parlant d'autre chose, ils reprennent le jeu. Et ah ouais, d'ailleurs, en parlant de ça, Romelu passe à 9 buts. Ce qui veut dire qu'il a un but de mon joueur. Et du coup, bah, il a le droit de peut-être devenir meilleur buteur. Mais bon, on s'en fout un petit peu de ce privilège-là. Le principal, c'est la victoire collective. Je suis un team player, vous le savez bien. Ok. Bien envoyé, ça, le 2, c'est très bien, belle combinaison. Ah, Eden a failli passer. Allez, on maintient la pression. Oh, attention, Goretzka qui passe. Oh, ils arrivent à passer. Hein. Bien accompagné, bien suivi. Allez, contre-attaque. Je t'ai vu, Axel Witsel, vas-y. Non, Lukaku, ça, c'était pas une bonne idée de la mettre par là tout de suite. Là, par contre, ça peut le faire. Hop, mets dans le vent. Ça fonctionne, ces ballons entrés. Ça a l'air de fonctionner, en fait. Ça a l'air de porter ses fruits. Ces ballons entrés, à chaque fois, ils sont dans le vent. Je vais peut-être trouver un truc. Elle passe pas. Bien, Axel. Ah, il y a faute, ok. Et coup franc en faveur de la National Mannschaft. D'ailleurs, j'espère bien qu'un jour ils vont mettre la Nations League, ce serait pas mal. Et alors la Croatie, ça serait tellement bien. 3 minutes en plus, 3 minutes de temps additionnel. J'espère que FIFA 21 va faire tout ça. C'est tout ce que j'espère. Dites d'ailleurs, les amis, n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, quelles seraient vos envies pour le FIFA 21. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils reviennent ou qu'ils arrivent? Déjà, moi. Ce qui est sûr, bah, une amélioration du mode carrière, un genre un petit peu à la touquée avec un mode histoire, un truc du genre. Ça serait pas mal. Par contre, je suis hors jeu. Moi, franchement, le mode carrière, je pense qu'au niveau, quand on est joueur, ça devrait être amélioré. Ouh, ça joue pas grand chose, leur jeu. Je pense que le mieux, ça serait que FIFA et EA commencent à taffer dessus. Parce que niveau manager, moi, je trouve que c'est bien. Ils ont très bien fait le truc avec le système de négociation et tout ça. Et j'espère qu'ils amèneront un petit peu ce côté aussi plus vivant au mode carrière quand on est dans mon joueur. Je pense que ce serait pas mal. Et puis évidemment, porter toutes les compétitions connues qui seraient normalement logiques de mettre. Par exemple, ils ont mis le championnat asiatique. Bah, pourquoi pas faire la Ligue des champions asiatiques ou la Ligue des champions, Libertadores, ils l'ont mise. Donc peut-être qu'ils vont la mettre par après, je sais pas. Mais en tout cas, il y a des choses à améliorer, j'espère que ça arrivera. Donc les amis, si vous avez des envies, n'oubliez pas, mettez dans le commentaire. Peut-être que par le plus grand hasard, ils tomberont sur cette vidéo et peut-être qu'ils verront tout ça. Bon, et ben on peut voir qu'au niveau statistique, c'est 50-50. Ça c'est équilibré. J'ai quand même plus de tirs, c'est vrai. Allez, on est parti, seconde mi-temps. La partie qui recommence, il y a moyen de gagner. Il y a toujours moyen. Non, Thomas, t'es hors jeu. T'es hors jeu. Ouais. Il est parti trop vite. Il part trop vite, Meunier. Il part trop vite. Allez, reste bien. Vas-y, joue physique. Ok, il a perdu au physique là. Bien, compagnie, le mur. Bien, compagnie. Très bien joué. Allez, avec mon antenne de vitesse, je peux passer Boateng. Je peux le passer. Hop, le dribble. C'était tout juste, ouais. C'était tout juste, heureusement. Hervé Matou a bien raison. C'était tout juste. Lukaku. Essaye de trouver la faille. Corner. Le centre sur le défenseur. Allez, une petite tête sur corner, ce serait pas mal. Alderweireld, on le voit. Oh, Eden. Oh, Eden. Oh, Eden Hazard. Une rat de terre. Elle aurait pu passer, vraiment. Heureusement qu'André Pertostelion était attentif. Où elle aurait pu passer. Allez, concentré. Maintenant, j'espère qu'on va pas aller aux prolongations et surtout pas aux pénalties parce que les pénalties, je ne le sens pas du tout. Bien, Lukaku. Bon appel. Vas-y, Kevin. Oh, ça passe pas loin. Et attention au contre-attaque. Ah, et le mur a craqué. Mais ça va, il y a Yann Vertonghen et Toby pour assurer. Tout va bien. Allez, Carrasco, plonge. Bah,
passe qui passe pas. Boateng, il va me poser beaucoup de soucis. Et voilà, je me récupère, voilà. Allez, calma. Attends, attends. Voilà. Hop, dans l'élan, très bien. Au-dessus. Attends, on attend. Appel d'Eden, voilà. Le décalage, il est pas mal. Vas-y, Eden. Allez, 1-2, Eden Hazard. Yes, 1-2. Bon décalage, j'ai vraiment attendu le bon moment pour assurer le coup. Let's go. Ça fait plaisir. Yes. Très bon décalage. Super. C'est magnifique et c'est mérité. C'est mérité. On a mené pendant tout un temps, on a eu des occasions. Et cette fois, on la met. Wonderful. Et ben voilà. Et Joachim Löw pète encore des câbles, il en a marre. Par contre, Dries Mertens, qu'on a vu en arrière-plan, lui, il est content. Il est content. Et Eden Hazard, c'est son 5e but en Nations League, d'ailleurs. Doit être pas mal classé, je crois. Allez. Défense, défense. Et bientôt les changements, d'ailleurs. Il faut tenir. Vas-y, Witzel, bats-toi. Attention, il y a une faute. Ouais, il y a une faute. Ils ont le coup franc. Carrasco pour Torre Hazard. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. On va attendre. Marco Reus qui tire. Fallait s'en douter. Mais c'est Marco Reus qui va attirer. Ouais, c'était sûr. Et Thibaut Courtois. Très bien. Allez, mets-la en dessous. Regarde Thomas Meunier. On peut pas outer par le tireur. Ce n'est pas en se montrant aussi bon, peu dangereux temps, dans les hop, 20 derniers mètres que cette très équipe a été la défaite. C'est trop retour d'enjeu, Thomas, tu fais n'importe quoi là, pour le moment. Il se place pas comme il faut. D'ailleurs, je vais bientôt le remplacer. On va essayer de mettre un petit Dries Mertens. Je crois que ça pourrait amener de la vivacité sur ce côté-là. Eden Hazard qui... Faisant partie d'une famille de footeurs. Ah, c'est compliqué. Attention à Brandt. Attention, Nabi. Oh là là, l'égalisation. On se l'est pris dans la figure, celle-là. Ah, ça fait mal. Nabi, 2-2. Le match va être tendu, les amis. C'est pas fini. Ouh, que le match tendu. Eh ben, on n'est peut-être pas content d'avoir l'Allemagne au départ, mais ça y est, l'Allemagne se montre enfin. Elle se montre. Tout simplement. Bon, alors Thomas Meunier, Navi n'est plus trop dedans, donc pour les appels, on va le remplacer. Ah, Carrasco, ouais, je suis obligé de le remplacer aussi, de toute façon. Donc, ce que je vais faire, Mertens va aller là. Carrasco, je vais mettre Castagne pour avoir de la complicité avec moi-même. Et en plus de ça, il sait switcher s'il faut. Et moi, je sais aussi switcher. Donc, on verra. Allez, deux changements et on va attendre le troisième de voir ce qui va se passer. Allez, c'est parti. Bon, faut gérer. Il est possible que je ne parle pas beaucoup parce qu'il faut être concentré dans des cas comme ça. Ils ont décidé de poser le jeu. Oh, je me suis vu. Et j'ai de la vitesse, donc ça va tombe bien. Oui, oh. Et y a une... Pour moi, j'aurais sifflé faute. Hein. Oh, même pas. Moi, j'aurais sifflé faute ou j'aurais mis le corner. Mais je pense pas qu'elle soit sortie. Ouh, non, non, non. Non, non, non. Bon, par contre, compagnie, il bougeait pas, il attendait que la balle arrive, peut-être, je sais pas. Eh, bats-toi, Castagne. Bien, Castagne. Oh, dommage. Bon, les amis, mais la musique est épique, parce que je crois qu'on va en avoir besoin. Je ne vais plus trop parler, on va laisser le charme du match agir. Bien Kevin, vas-y Kevin. Bon, mets-le dans le vent. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Mais ça va, c'est un corner. Knarbi qui sort pour. Ok. Bengenstadt qui est rentré. Waldschmidt qui est très bon. Attention au contre-attaque. Ça va sortir, ça sort. Voilà. Tout pour l'attaque. Ouh, ça y est qu'ils ont fait du press, ça y est, c'est parti. L'Allemagne va faire le pressing. Ils veulent pas aller aux prolongations non plus. Eh ben nous non plus. Allez, vas-y, mon joueur, vas-y. Sprint.
deuxième poteau. Ah non, ce centre qui n'aboutit pas. Il sort. Touche voilà. Au camp adverse. Timothy Castagne. De Bruyne. De Bruyne. Witzel. Romelu Lukaku. Waouh, ça n'arrive pas à passer, il reste 10 minutes, ça va être chaud les amis, ça va être chaud. Ça pue la prolongation, ça va être chaud. Oh oui, Lukaku. Oh, ce poteau. Lukaku, il avait surgi de nulle part. On recommence, on fait la même. Ah, quoi que ça va être chaud, ça pue Kevin. Corner. Changement, non, on remplace pas Lukaku, il faut du physique. Ah, Marco Reus qui sort et c'est qui rentre là? J'ai pas vraiment bien reconnu. C'est qui? Mathieu Mulz? Non, c'est pas Mathieu Mulz. Hector. Vas-y, compagnie. Vas-y, Eden. Moi-même. Oh, je suis là. Je peux pas la louper. Je marque gauche de tête de la victoire. Oh, magnifique. Faut que j'aille célébrer ça. Allez, salut, capitaine. Voilà, 2-3. Oh yeah! Ouh là là, c'était tendu. Allez, faut tenir. Maintenant, on l'a. On a la coupe entre les doigts. Oh, il a fallu par deux fois que je m'y reprenne. Oh purée. Bon, par contre, on va faire rentrer Batshuayi pour Romelu Lukaku. On va le faire reposer. Allez, et du coup, c'est notre dernier changement. Maintenant, faut tenir. Lukaku a fait son taf. Et on a du sang frais en attaque, comme ça si on peut en mettre un autre, on va pas s'en priver. Batshuayi, il est aussi très bon. Hein. Allez, on tient. On tient. Regard défendu, il a coupé la ligne de passe. Bien donné encore une fois. Ah, ça fait passer. Bien Kevin. Ok, Batshuayi. Oh non, Eden n'a pas suivi. Il fallait suivre Eden. Il reste une minute. Plus temps complémentaire. On va voir combien il va y avoir. Attention à la contre-attaque. Attention à la contre-attaque. Allez, dégage là. Oui, avant que ça passe. Vas-y Eden. Joue là. Vas-y Eden. Si on la marque, je crois que c'est terminé. Il a la place pour centrer. Attention, parce que là, ça peut sentir. Oh, fort, hein. Corner, non. Allez, faut encore y croire. Kevin, oh, il reste quelques secondes. Je crois que ça peut être fait, les amis. Ah non, c'était Castagne. Ouh, ça aurait pu rentrer en plus. Allez, quelques secondes. Faut tenir. Allez, dites-moi que c'est bon, que c'est fait. Batshuayi. Je me suis vu, je tire. Pas attention. Ok. Il va pas siffler parce qu'il va laisser l'action se terminer. Batshuayi. Oh, c'est dévié. Ça se finit maintenant. Victoire les amis, on a la Champions League. Yes. On a gagné la Champions League les amis, c'est bon ça. Et je marque le goal de la victoire, cerise sur le gâteau. Yes, c'est bon ça. Et ben voilà les amis. Un bel épisode. Plein de suspense, on aura tremblé. Malgré qu'on a eu encore l'Allemagne comme adversaire récurrent, bah finalement on a eu moins facile que les autres fois. Donc voilà les amis, on est champion de Nations League. Bon, et bah les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. C'est le cas, n'oubliez pas, balancez un maximum de likes, je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne pour m'aider dans ma passion et pour aider la chaîne à grandir. Et je vous remercie d'avance. Et sur ce les amis, je vous retrouve pour de prochaines aventures, prochain épisode. Ça sera pour une nouvelle saison de 01 Hero et ça sera la dernière sous FIFA 20 d'ailleurs. Et sur ce, n'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous adore. Ciao, ciao, et célébrons cette coupe, cette victoire en Nations League, ensemble, comme on sait le faire. Sous les applaudissements, les cris de joie d'un public qui aura vibré. Ah oui, et puis les joueurs qui ont l'air vraiment tous fous de joie. On met une belle fête ce soir. Hein. On va sortir. T'as des invités? Non, on va rentrer en force comme d'hab. Alors c'est le moment du partage maintenant. Le partage avec le public. Regardez, c'est emparé du trophée. Les autres sont derrière. Et ils vont le brandir, le montrer à leurs supporters. Voilà, ils se rapprochent
de leur public pour leur montrer qu'ils ont évidemment une grosse responsabilité dans ce triomphe. Ouais, c'est des images qui resteront, bien sûr. Allez, la petite photo pour l'éternité, parce qu'on ne se rend pas compte quand on vit des moments comme ça. Ça, c'est la photo que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, la photo officielle que les gens regarderont. Ouais, les joueurs font les marioles, mais c'est une photo qui est là pour l'histoire.